Beste KVO-supporters, wij hebben het genoegen vandaag een baaierleien aan een klein interview te mogen onderwerpen in aanloop van de oefenwedstrijd van volgende zaterdag tussen KSV Oudenaarde en Zultewaregem. Un baaier, tout d'abord, merci pour réserver un peu de temps pour nous. Comment est-ce que vous avez vécu vos premiers jours ici à Zultewaregem comme entraîneur et les premiers entraînements? Sorry voor mijn Nederlands. Ik ga alles doen in Frans. Dat is beter voor mij. Geen probleem. Geen probleem. Les premiers entraînements, c'était très bien parce que je viens dans un complexe ici que je connais par cœur. Je connais les gens ici. Et pour moi, c'était important de revenir dans un club que je connais l'identité, dans un club où je connais les gens. Et dans cette manière-là, voilà, on vient d'une saison un peu plus compliquée. On va essayer de faire tout le nécessaire possible pour revenir avec un Zultewaregem qui est très stable. Comment regardez-vous à ce match, ce premier match contre Oudenaarde? Quand est-ce que vous serez content, pas du résultat, mais quand serez-vous content après le match? Moi, je pense que c'est un match d'entraînement, c'est un match d'entraînement pour nous. Pour nous, le résultat ne sera pas très très important ni significatif. C'est pour nous essentiel de voir certaines choses qu'on a commencé de travailler. Mais surtout sur le plan physique, les joueurs ont besoin de courir un peu plus. Ce sera leur deuxième entraînement de la journée parce que le matin, ils ont un entraînement. Mais ça me fait plaisir de revenir là à Oudenaarde parce que je connais bien Stéphane. Okay, j'ai eu la chance aussi de m'entraîner là-bas avec ses joueurs quand j'étais encore joueur. Donc c'est un club que je connais bien. Donc c'est toujours un plaisir de venir là. Un bon départ de la saison, ça peut vraiment faire une différence, c'est importante, un bon départ de la saison. Et oui. Pourquoi? C'est très important parce qu'aujourd'hui on est dans la préparation de la nouvelle saison. Et c'est normal dans le foot, quand vous venez d'une saison difficile, il y a toujours des doutes. Et pour nous, pour pouvoir avoir tout le monde ensemble et avoir une saison, parce que la saison ce sera d'abord les supporters, la direction, les joueurs, le staff technique médical et tous les gens qui aiment Zultewaregem. Donc dans ce sens-là, ben, pour que tout le monde vienne ensemble, on a besoin de commencer dans la stabilité, de bien commencer. Comme ça peut commencer un peu plus compliqué dans une saison et se finir très bien, le plus important c'est d'être solidaire. Et c'est ce que j'ai vu l'année passée avec les supporters derrière l'équipe, même quand c'était des moments difficiles. Et ça c'est la base d'une équipe, avoir des supporters qui sont là, même dans les moments difficiles. C'est votre quatrième passage à Zultewaregem. Ouais. Vous sentez le stress comme entraîneur de Zultewaregem? Ça fait quoi avec un baaier? Non, ça fait plaisir. Chez moi, il y a pas de stress, il n'y a qu'un grand plaisir. Comme vous disiez, quatrième fois, les trois fois que j'étais là, c'est trois fois des belles périodes où le club a connu vice-champion en Belgique, où on a gagné la Coupe de Belgique, où on a joué les play-offs 1, où on a été très important à nos périodes, à nous. Quand tu parles du top 5 et vous enlevez les grands clubs, vous parlez de Zultewaregem. Et ça, c'était les moments où tout le club a connu des joueurs souliers d'or ou des joueurs qui font des transferts. Et ça, c'est l'idée de retrouver le Zultewaregem d'avant parce qu'il y avait un entraîneur, Frankie, qui faisait un boulot formidable ici dans le club, qui a permis ce club d'avoir un nom. Et nous, moi, le staff, on va tous continuer dans cette ligne pour garder cette philosophie de club qu'on a, pour essayer de redonner à Zultewaregem un peu ses couleurs. C'est fantastique, je peux rencontrer dans deux jours Franck Uduri, parce qu'il était hier chez nous pour Club 81, donc notre service club dans le sein du club. Merci Francky encore une fois pour venir hier Bonjour soir. Bonjour Francky. Et maintenant, c'est fantastique en fait. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi l'ambition? Vous savez déjà l'ambition de Zultewaregem pour cette saison-ci? Mais je pense que dans tout début, il faut être correct et en étant correct, on se dit que l'année passée, on a vécu une saison difficile. L'idée cette année, c'est de commencer au mieux pour avoir une saison tranquille parce que les ambitions chez toute personne, c'est au fur et à mesure qu'on peut savoir ce que l'on veut. Mais dans le début, on veut juste passer une saison qui est tranquille, retrouver une stabilité. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des envies. Mais pour l'instant, l'idée, c'est de faire une bonne préparation parce qu'il y aura des joueurs qui vont sortir, des joueurs qui vont rentrer. Et dans ce sens, quand on aura un groupe assez solide, parce que la première division en Belgique, c'est très, très compliqué. Et donc,
C'est pour ça que chaque année, c'est difficile de dire quelle équipe va avoir du mal ou quelle équipe va être bien. Voilà, l'exemple de l'Union était fantastique l'année passée. Donc, ce qui veut dire que nous, on voudrait avoir cette stabilité-là. Tous les supporters qui viennent à Azultoir Games sont là et step by step, on verra où on va aller. Dernière question. Vous avez vécu les préparations comme assistant et entraîneur aussi au Standard Liège. Oui. C'est quoi la plus grande différence entre démarrer le départ avec le Standard et Zultowagen? Pour l'instant, il n'y a pas grande différence parce que j'étais dans des situations où il faut reformer une équipe, où il faut tout faire. J'avais la chance de commencer au mois de janvier au Standard où on a fini sixième, on a joué la finale de la Coupe de Belgique en étant dans une dynamique. Et après, il faut refaire un groupe et on est en train de refaire la même chose, refaire un groupe. Mais ici, c'est ce qui est valable en plus et différent. On est dans une équipe qui a eu une année difficile et la direction sait ce qu'il veut faire, connaît la stabilité qu'il faut avoir. Et je pense que tout le monde demande ça ici, les supporters, tout le monde. Ils ont envie de vibrer encore un peu. Et pour ça, on est en train de chercher des joueurs, de former une équipe qui nous permettra d'être bien. Et ça, c'est la préparation. Vous parlez de préparation. C'est la première préparation depuis une dizaine d'années que c'est pas Francky qui le fait, donc c'est un autre entraîneur, donc ça change encore plus pour tout le monde. Ouais. Alors, grand merci pour réserver du temps pour nous et on va vous accueillir certainement samedi prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir et à samedi. Merci.